Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Cette seconde vidéo sur la thématique des femmes répond à une suite de questions que m'a posée une jeune femme alien. Je vais répondre aujourd'hui à la troisième série de questions. Quelle est la différence chez les femmes dans les cultures interstellaires que vous avez rencontrées? Quelles qualités en elles se démarquent des nôtres ou en quoi sont-elles différentes de nous? Que pouvons-nous apprendre de ces femmes? En résumé, quelles sont les capacités ou les qualités des femmes stellaires qui pourraient être apprises ou acquises par les terriennes? Pour répondre à ces questions, on peut dire que, de manière générale, tout, absolument tout, démarque les femmes stellaires des femmes terriennes, que ce soit leur capacité physique, mentale, psychologique, spirituelle ou technologique. Comme vous le voyez sur cette illustration, elles appartiennent à des systèmes planétaires différents de Sol 13, le système solaire au sein duquel nous nous trouvons. Elles évoluent sur des planètes complètement différentes en termes de masse, d'orbite, de géologie, de météorologie, de gaz et d'oxygène qui les entourent, de tellurisme tout autant que les civilisations ou les populations qui les occupent. Elles peuvent être similaires en partie à la Terre et quelquefois complètement différentes. Par ailleurs, chaque lignée stellaire a tendance à être la même sur toute la planète. On pourrait dire qu'elles sont plutôt uniformes. Il n'existe pas de grande diversité de populations comme sur Terre. Les terriens ont 22 ADN différents, ce qui a généré une très grande diversité de populations. Même si elles peuvent se ressembler physiquement, femmes stellaires et femmes terriennes sont différentes littéralement en tout point. On peut classer les populations extraterrestres en deux grandes catégories. Celles qui appartiennent à des civilisations dominées par les émotions et celles qui appartiennent à des civilisations dominées par la logique. Les terriennes, par comparaison, appartiennent à une civilisation qui allie à la fois émotion et logique. L'émotionnel prédomine dans la vie courante et le logique dans la vie scientifique. Il n'y a pas de polarisation duelle chez les femmes stellaires. Elles sont à la fois scientifiques émotionnelles ou scientifiques logiques. Les lignées émotionnelles peuvent être hyper-émotionnelles, avec des réactions que vous n'auriez pas en tant que terrienne, et leur débordement émotionnel avec une fréquence anormalement élevée prend le dessus sur toute logique, mais cette manière d'être est normale pour elle. Mais à vous, elle vous paraîtrait anormale et fatigante. Les lignées logiques peuvent elles aussi déborder sur l'excès et paraître de ce fait anormalement raisonnées, voire d'une froideur excessive. Il y a trois grands aspects qui démarquent les femmes stellaires des femmes terriennes. Un aspect qui appartient à la sphère du mental, de l'intelligence, des émotions ou du spirituel. Un autre aspect qui appartient à la sphère comportementale. Et un troisième qui est purement physiologique. Elles sont ouvertes d'esprit. Elles sont plus réceptives aux nouvelles idées et ne prennent aucune explication pour argent comptant. Curieuses et observatrices, elles examineront ce qui est présenté pour se forger leur propre idée
elle consulte d'autres opinions, même contraires ou controversées, avant de se décider. Ce processus s'appelle l'actualisation hyperbolique. Dans les conditions passées de vie plus dures de l'Homo sapiens, nous ne savions pas si nous allions survivre jusqu'à la fin de la journée. Nous avons donc évolué pour choisir les choses immédiates qui nous aident à survivre. Notre cerveau est câblé pour choisir les récompenses immédiates, sûres, et non le potentiel d'un futur. Les terriennes ont donc tendance à faire des choix qui donnent une satisfaction immédiate, plutôt que de repousser une prise de décision vers un potentiel futur. Elles sont conscientes de leurs limites. La majorité n'ont pas peur d'admettre leurs limites et qu'elles ne savent pas, dans n'importe quel domaine. Cet aspect s'ajoute à leur curiosité, car admettre que l'on ignore quelque chose est plus facile à reconnaître lorsque l'on souhaite réellement apprendre. Elles sont confiantes en elles-mêmes et en leur jugement. Cependant, une fois leur opinion établie et formulée, il est plus difficile de les faire changer d'avis, car leur choix est réfléchi et calculé, et elles s'y tiennent. Elles ont aussi tendance à surestimer leur capacité et leur jugement. Elles sont généreuses et drôles. Elles offrent facilement les objets, leur temps, leurs informations, parce qu'elles ont des ressources beaucoup plus grandes que les terriennes. Elles s'attendent ainsi à récupérer leurs dons plus tard et se préoccupent davantage du bien public et des avantages communs. Mais la majorité des lignées stellaires sont organisées physiquement et mentalement pour agir et travailler pour les autres et pour leur société. Elles s'adaptent à l'environnement et aux conditions d'échange. Elles changent facilement de comportement afin de s'adapter plus efficacement à leur environnement et aux communications avec les terriens. On pense en général sur Terre que l'intelligence et la créativité ne sont pas liées, car elles sont contrôlées par des hémisphères opposés du cerveau chez les terriens. Mais la connaissance est limitée et l'imagination englobe le monde, stimulant le progrès et donnant naissance à l'évolution. Par ailleurs, comme nous le verrons un peu plus loin, leur cerveau n'est pas structuré de la même manière que ceux des terriens. Elles sont observatrices. Quelle que soit la lignée, émotionnelle ou logique, elles sont très souvent observatrices car leur cerveau ne traite pas l'information de la même manière que les terriennes. Elles consacrent beaucoup plus de temps à l'observation et ne se soucient pas trop de la manière dont les autres les perçoivent, excepté pour les lignées émotionnelles. Mais la plus grande différence entre les terriennes et les extraterrestres est l'aspect physiologique, notamment leur cerveau. Voici un comparatif succinct. Au cours de l'évolution des hominina, le volume du cerveau humain est passé de plus ou moins 600 cm3 chez l'Homo habilis à plus ou moins 1500 cm3 chez l'Homo neanderthalensis. Puis le volume a diminué à plus ou moins 1200 cm3 chez l'Homo sapiens. À titre comparatif, le petit Homo florentiensis, doté d'un cerveau de 380 cm3, utilisait le feu et fabriquait des outils de pierre. La différence de volume ne détermine pas le degré d'intelligence, mais une assignation différente des capacités cognitives. Cette évolution de la taille a été précédée de la réorganisation des régions corticales.
la flexibilité cognitive et d'apprentissage qui a permis aux hominidés d'exploiter de nouvelles ressources et d'établir des stratégies de chasse, d'organisation, de surveillance ou de communication pour échapper à leurs prédateurs. L'augmentation du volume cérébral vient en grande partie du développement de deux zones principales. Premièrement, le cortex cérébral ou écorce cérébrale, divisé en aires cognitives sensorielles, motrices et d'association. Il contient 15 à 33 milliards de neurones qui sont, comme le reste du cerveau, tous individuellement ou collectivement reliés les uns aux autres par les synapses. Et deuxièmement, le corps calleux, le corpus callosum, est un large faisceau de fibres nerveuses situé entre les deux hémisphères. Il relie les 8 lobes du cerveau entre eux et assure le transfert d'informations et leur coordination. La région frontale du corps calleux est plus grande chez les musiciens et chez les personnes gauchères ou ambidextres, et beaucoup plus volumineux chez certains mammifères comme les grands dauphins. En 2017, mes contacts stellaires ont eux-mêmes présenté les spécificités des cerveaux de différentes races non terrestres. Les extraterrestres de type A, avec un volume de plus ou moins 1400 cm3, ont une boîte crânienne et les deux hémisphères plus gros que ceux de l'Homo sapiens. Le cervelet et le corps calleux sont plus volumineux et les interconnexions entre les neurones et les deux lobes plus étendues et complexes. Les races dotées d'une telle morphologie sont les Syriens du grand chien, Canis major, dont sont aussi originaires les grands dauphins terrestres, les Turciops truncatus, les Alphratiens d'Alpha du Centaure, Alpha Centauri, sont des Homo sapiens qui ont été kidnappés sur Terre par des races avancées qui les ont relocalisés sur la planète Alphrata. Leur planète a été libérée de l'emprise de leurs geôliers par des groupes alliés qui lancèrent plusieurs assauts entre eux. 1560 et 1570. Ces événements étaient visibles dans le ciel et furent rapportés au XVIe siècle au-dessus de la ville de Nuremberg en Allemagne. Les Humites de la constellation de la Vierge, système Wolf 424, ressemblent aux terriens, si ce n'est qu'ils sont plus grands, plus forts et leur front est plus haut. Les extraterrestres de type B ont un seul hémisphère de plus ou moins 1900 cm3 occupant tout l'espace de la boîte crânienne et un corps calleux très volumineux à l'instar de celui des grands dauphins. C'est celui des Zénétaïens d'Andromède, des Arcturiens d'Iasliamtiplex, Corandiens ou Dévoniens de la constellation du Bouvier, ainsi que certains peuples des Pléiades, les Angans du système solaire, Électres, les Solaciens de Pléionée et les Tégétans de Tégète. Leur cerveau, dit unifié, présente une plus grande densité neuronale. Les deux hémisphères du cerveau de l'Homo sapiens ont des capacités différentes. L'hémisphère gauche est analytique, capable de gérer la logique, les mathématiques et les sciences, et l'hémisphère droit est créatif, intuitif, émotionnel, télépathique et musical. Les hommes utilisent davantage le lobe gauche, les femmes le lobe droit, et il est plus facile de passer des mathématiques lobe gauche vers les émotions lobe droit que l'inverse. L'hémisphère unique du cerveau de l'Homo stellaris de type B rassemble toutes les capacités du cerveau de l'Homo sapiens
en une seule masse unifiée. Le cortex cérébral n'est pas divisé comme chez l'Homo sapiens par un fossé et les aires gauche et droite unifiées de leur cerveau communiquent avec une grande efficacité. L'analyse, la gestion de la logique, les mathématiques et les sciences, la créativité, l'intuitif, l'émotionnel, la communication et le musical sont tous beaucoup plus développés et intégrés et il est utilisé indifféremment par les hommes et les femmes. Elle s'accompagne lors de la résolution de problèmes pour ce qui concerne certaines lignées extraterrestres de tonalité musicale. Bien que le nombre de neurones soit identique à celui des Homo sapiens, voici quelques grandes différences entre les terriennes et les femmes extraterrestres. Leur glande pinéale est 400% plus grosse et elle est fusionnée avec le corps calleux. Leur système nerveux est beaucoup plus dense. Les nerfs et les terminaisons nerveuses véhiculent une charge signalétique plus élevée entre les dendrites des neurones. Les mitochondries, qui sont des centrales énergétiques, sont plus nombreuses dans leurs cellules. Leur métabolisme cellulaire et nerveux sont accélérés et le potentiel d'action est plus élevé. Leur énergie, leur résistance physique, leur force et leur endurance sont décuplées et elles sont deux fois plus fortes, plus rapides et plus énergétiques que les hommes sur Terre. Mais par ailleurs, elles sont sujettes à des dissonances fréquentielles et la dyslexie peut se manifester lors de l'utilisation prolongée des langages articulés terriens. L'ambidextrie est courante chez elles et chaque main peut effectuer des tâches simultanées de manière indépendante. La différence majeure entre le cerveau à deux hémisphères et le cerveau avec un seul hémisphère réside dans la perception de la réalité. Elle est duelle pour le premier, donc pour l'Homo sapiens, divisée en concepts opposés tels que le bien et le mal, et elle est intégrée, inclusive ou tétravalente dans le cas d'un seul hémisphère et pour les femmes extraterrestres. Avant de clore cette présentation, je vous invite à assister aux trois directs qui auront lieu les 13, 20 et 27 novembre à 17h sur YouTube. Ils durent tous une heure. Le premier sera accessible à tout le monde et ceux des 20 et 27 novembre sont réservés pour les sponsors de Space News. Je vous retrouve très bientôt pour le troisième volet de cette série qui sera consacré à l'émergence massive des femmes terriennes dans toutes les sphères d'influence. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.